Aujourd'hui, je rejoins Amira. On va aller dans une bibliothèque qui a l'air super jolie que Amira a découverte sur Instagram. Je suis assez contente parce que c'est une de mes premières sorties depuis la fin de ma quarantaine. Donc je vais filmer tout ça et j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Ces petites cartes. Des cartes postales, je pense. Ça, c'est trop mignon, par contre. Bah, 24 000 won. T'as vu, regarde, ils ont copié Hermès. Attends, tu vois ça là. Ah oui. Avec le. Le petit chêne. Ouais. Ouais. Oh. Ces petits dessous de verre. J'aime trop les trucs de merde. Non, c'est pour couler ton téléphone. Ah oui, pardon. T'as vu ça? Ouais, ça c'est trop pratique. Autour du cou. Regarde. Avec mes potes et tout, donc c'était cool, tu vois. Ouais. Et ah, celle-là, j'adore cette marque. Hein. C'est ma crème préférée. Ah ouais? Ouais, j'aime trop cette crème. Vraiment, elle est top. Après, c'est combien? Ça, c'est celui-là? Ou c'est celui-là? Vanesche. Ah ouais, moi, à ce prix-là. Hein. Ah. Arrêtez, non, je sais pas. Je prendrais celle de Essuda où ça est beaucoup moins cher et elle est beaucoup mieux. J'ai acheté celui-ci il y a deux jours, je crois. Ouais. Pour ceux qui ont vécu à Londres, ils connaissent, je pense, le meilleur cookie du monde. Alors là, on s'est installé à un resto-café qui s'appelle Pig in the Garden. Moi, je me suis pris un jus de fruits frais. C'est super mignon. Et le truc intéressant, c'est qu'ils ont l'air de faire des plats ultra frais. Genre là, je vois un rayon avec de la salade qui est au frais, des légumes directement au frais qu'ils prennent pour ensuite composer ta salade. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça s'appelle Pig in the Garden. Voilà. Comment ? Coucou.